Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, merci d'être là. Comment ça va? On marche ou on jog? C'est l'échauffement suivi de 3 mouvements. L'émission s'appelle « En 2 temps, 3 mouvements ». Pourquoi? Parce qu'on fait d'abord un échauffement, ensuite, tout de suite, 3 mouvements avec plein d'options. D'accord? Je vous laisse toujours choisir entre les sauts et les variations sans saut, mais je veux que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que chaque seconde compte. On a peu de temps ensemble, on veut maximiser le temps qu'on a ensemble. Comment ça se passe pour vous? Donc, c'est un squat. Ce que je suis en train de faire de différent, c'est que je joue avec les mouvements de bras. Juste pour vraiment toujours vous prendre par surprise, vous rappeler que c'est le fun quand on change des petits détails dans notre entraînement parce que ça nous garde alerte, ça nous permet d'être à l'extérieur, toujours de cette zone de confort dont on parlait. Et c'est amusant, vraiment. Trouvez-vous? Regardez ce que je vais faire dans 2. Je vais aller ouvrir de chaque côté, OK? Peu importe la direction ou la jambe avec laquelle vous commencez, vous alternez. Vous pensez à votre technique d'exécution, bien entendu. Vous évitez de sentir les articulations parce que ce qu'on travaille, c'est les jambes. Ici, et remontez, impliquez fessiers, abdos. Respirez bien. Encore. 4. Donc, on est dans la séquence de squat. Regardez ce que je vais proposer maintenant. Je vais aller faire un mouvement plus grand vers l'extérieur et seulement une des jambes va plier. Ça va? Pas compliqué, mais pas simple non plus. Alors, donnez-vous le temps que vous avez besoin. Regardez les bras. Si vous voulez, profitez-en toujours pour allonger. Pourquoi? Parce que on a besoin de ça, hein? On est affaissé beaucoup en position assise. Maintenant, plus grand encore, augmentez l'amplitude au fur et à mesure de la capsule. Ouh! Mine de rien, j'ai chaud. Est-ce que vous avez chaud? Ça va? Donc, sur celui-là, si vous faites les bras, ça va être plus difficile d'aller ouvrir très grand en suivant le rythme. OK? Mais vous pourriez très bien ralentir la séquence tout simplement. Vous êtes prêts? En fait, continuez comme ça. Je vais la ralentir peut-être juste tout à l'heure parce que je veux vous montrer une autre chose juste avant. On va voir ce qu'on a le temps de faire, d'accord? On a le temps. Restez 3 temps. Regardez. 1, 2, 3. Enfin, on pourra aller plus grand. Est-ce qu'on peut toucher par terre? Oui, oui, on peut. Mais vous n'êtes pas obligé de toucher la cuisse. Allez regarder vers le plafond, vers le ciel. Ou du moins, là où vous êtes bien, là où c'est cute, et là où vous êtes bien physiquement pour ne pas avoir mal au cou. Un peu plus bas dans la jambe qui est par terre. Voyez-vous ce que je veux dire? Si je descends plus, je vais le sentir davantage fesse. Regarde la jambe cuisse, oui? Encore 2. Un petit peu plus bas, est-ce qu'on est capable? Je pense que oui. Pour vrai, je vous pose la question parce que plus vite pour 8. Aux 7 derniers, tenez bon. 6. Ouh! Êtes-vous capable de sourire en même temps? Il y a plein de choses qui se passent, mais ça vaut tellement la peine. 2. Bravo! On passe au prochain segment, d'accord? Grand plié. Donc, on poursuit l'entraînement. Je suis toujours en train de vous proposer un entraînement bas du corps présentement. Donc, on continue dans notre belle lancée ou sur notre belle lancée. Je ne peux pas m'empêcher de me corriger quand je fais une petite erreur de français. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut toujours continuer à essayer de devenir une meilleure version de soi-même. Et pour ça, ben, il faut toujours se corriger, peaufiner qui on est, n'est-ce pas? Faites-vous la même chose? Alors, pour l'instant, j'ai proposé une variation. Donc, j'ai fait le grand plié et maintenant, j'ai ajouté le talon. Quand vous levez votre talon, ne montez pas les hanches. Essayez de continuer à pousser le bassin, les hanches vers le bas. Aïe, aïe, est-ce que vous avez la chance d'aller chercher un 90 degrés au niveau des genoux? J'espère que de votre côté aussi, côté essoufflement, c'est prenant. Pourquoi? Parce que on veut que ce soit payant en bout de ligne et pour ça,
Vous ne devriez pas avoir l'impression d'être sur une échelle de 2 sur 10, par exemple. Vous devriez plus être 7 sur 10, 8 sur 10, OK? Parce que c'est 15 minutes. On n'est pas ici pour une heure. Et même si on était là plus longtemps, je vous encouragerais vraiment à toujours vous assurer de ne pas prendre la solution facile. Pousser, OK? Premier, pourquoi pas les deux talons en même temps? Voyez-vous qu'il y a un élément d'équilibre? Moi, je me repositionne à l'occasion, lorsque j'ai besoin, parce que je ne veux pas le sentir dans les talons, dans les chevilles, je devrais dire. Continuez. Ah, on ne peut pas le sentir dans les talons. Pourquoi? Parce que les talons sont dans les airs. Encore. Donc, petit défi qui est quand même plutôt grand à force de répéter la séquence. On va dire un petit 4, puis dans 3, je vous garde en bas. OK? Vous aurez un petit peu de préavis pour vous préparer mentalement. Oh boy, restez là. Restez là. Les talons sont dans les airs. Forcez pas la cheville. Descendez les épaules. Descendez les talons. Pulsation. Up, down. Oui? Je vous garde ici. Pourquoi? Parce que je veux fatiguer. Je veux vous fatiguer. Je veux vous faire suer. 8. 6. 4. 3. Repositionnez un petit peu. Lèvez, descend. Je vais essayer une combinaison avec vous pour terminer. Voyez ce que vous êtes capable de faire. Ajustez au besoin. OK? Dans 4. Et c'est possible qu'on perde l'équilibre, moi inclus. OK? On essaye. On y va. Donc, on lève, on allonge, on descend, on plie. Lève le talon, allonge, descend les talons, plie. Oh boy, ça me demande beaucoup de concentration, mais Dieu merci, vous êtes là pour m'encourager, pour m'aider. Ah, c'est ça qu'on fait, l'un pour l'autre, je pense. Trois os. Est-ce que ça glisse de votre côté? Si oui, corrigez, OK? Corrigez parce que c'est important. La sécurité avant tout, je le dis souvent. Hop. Restez là. On reste. Pulsation. On passe au prochain segment. Bien joué! Suivez-moi en position planche. Je vais vous installer sur les mains directement ou sur les poings. Vous savez que j'aime bien les deux, honnêtement. Vous pourriez faire un ou l'autre tant que vous ne sentez pas les poignets. Restez là. Je vous garde dans cette position. Je vous rappelle, bien entendu, que vous pouvez être sur les genoux à n'importe quel moment. Vous redescendez, oui. Et je vais vous proposer quelques options, d'accord? À commencer par celle-ci, je vais amener les deux jambes sur un côté près des coudes, près du coude, et je vais revenir. Et je vais aller de l'autre côté. On n'accroche pas la bouteille, d'accord? On y va? Le défi, je dirais, à part, bien entendu, travailler les abdos, les bras, c'est de ne pas monter les fesses. Rapprochez vraiment les deux genoux du coude de chaque côté. Plus que 4. Souriez. Pas facile. Pas facile de sourire tout le temps, mais ça fait du bien quand on sourit. On reste en planche. Restez là. Sur les genoux, si vous avez besoin, il fallait vous repositionner. Ça va? Je vais faire exactement ça. Puis, quand le temps va venir, je vais aller vous proposer un saut. OK? On y va. Je me demande même si je le ralentirais pas un peu. Je pense. Saute et reviens. Saute et reviens. Est-ce que vous sentez la fatigue même dans les jambes? Moi, je le sens. J'espère que vous le sentez aussi. 4, 3, 2, reste en planche, reste ici. 8, 7. Je vais vous accorder un petit moment de répit. On va refaire la version sautée une toute dernière fois. Répit ici. Inspirez, expirez, descendez les épaules. Je le garde quelques instants seulement. On va réessayer la version sautée. Possible que vous soyez mieux sans le tapis, vous verrez, OK? Sur les mains ou sur les poings. Saute, reviens. Saute, reviens. Oh boy! On est capable. 4, 3, let's go 2. Dernier. Restez là. Bougez pas, on passe aux étirements. On va aller étirer l'intérieur de la cuisse. Restez là. Inspirez, expirez.
La fin, comme ça, nous donne la chance de prendre un peu le pouls de comment ça s'est passé. Et ça me permet aussi de vous rappeler les choses que je considère importantes. Parmi ces choses, il y a bien sûr la posture, il y a la respiration et il y a ce qu'on appelle la conscience corporelle. Restez là. On va revenir du côté droit. Si vous êtes du même côté que moi, allez un petit peu plus bas. Donc, ajustez les jambes, les pieds au besoin. Allez un peu plus loin dans l'étirement, si vous le souhaitez. Vous pouvez même essayer d'aller poser, si c'est juste le bout des orteils, j'allais dire des doigts, ou la main au complet, ou les deux mains. Inspirez, expirez. Je vais allonger la colonne, allonger le cou. Dans cette position-là, je ne resterai pas nécessairement là à vous regarder, mais pour les fins pratiques de la conversation, je le fais. Mais faites vraiment attention, on ne veut pas mettre plus de tension que ce qu'il y a déjà au niveau du cou, hein, au niveau des trapèzes. Ajustez votre position, inspirez. Expirez, allez un peu plus loin. Comment ça se passe? Puis on va refaire. Je vais le faire une autre fois. Souvent, quand le corps commence à s'habituer à la position, on peut aller un peu plus loin. Le sentez-vous? Et souvent, on va le faire sur l'expiration. Vous inspirez et vous expirez. Belle occasion aussi pour ralentir la respiration, n'est-ce pas? Évitez de sentir le genou. On change. J'aimerais ça vous voir inspirer et expirer. Je le garde quelques instants. Descendez les épaules, allongez le cou. Ça va pour ça? Tout doucement, je vais ramener juste un petit peu les pieds. Je vais remonter le bras vers le haut, vers le côté. Qu'est-ce qu'on étire, vous pensez? Les obliques. Ça va? On inverse. Je suis rendue à la partie où je vous parle de la citation de la semaine. On récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire présentement pour avancer, pour être fier de vous, pour être heureux cette année, l'an prochain? Même chose, inspirez, expirez. Je vais plier une des jambes. Voyez comment ça se passe pour vous ici. Si ça va, suivez-moi vers le bas, là où vous êtes capable d'aller. Vraiment inconfortable, mais pas dans la douleur. Ça tire un peu, par exemple, hein? Ça, c'est sûr. Restez là. Je vais tout de suite passer de l'autre côté. Alors, la réponse, c'est vraiment vous qui l'avez. Et souvent, c'est juste une question de faire à chaque jour un petit travail pour avancer plus loin, pour aller vers son objectif, ses objectifs, entraînement ou autre. OK? Mais ça se fait pas tout seul. Alors, pensez-y. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Ça va vraiment vous faire avancer à court terme, à moyen terme. OK? Inspirez, expirez. Fait rapprocher encore une fois les jambes. Hop. Suivez-moi ici, vers le haut, vers le côté. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique. On se retrouve très vite.